Bonjour, ici Isaline, spécialiste SEO chez Pilea.ch. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pour qui est-ce que le SEO local est important, pour quel type d'entreprise et pour quel type de service. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que c'est important pour trouver votre clientèle locale. En bref, le SEO local ou référencement naturel local est pour toutes les entreprises qui cherchent une clientèle de proximité. Avant, on était dans ce bon vieil annuaire téléphonique. Aujourd'hui, les gens cherchent sur Google. Donc, ça va être difficile de faire une liste exhaustive, mais pour vous donner quelques exemples, ça fonctionne très bien pour les plomberies, pour les coiffures, pour les ongleries, pour les fiduciaires, pour les cabinets médicaux, pour les agences de communication. En gros, pour toutes les entreprises qui fournissent un service personnalisé ou pour toutes les entreprises qui vendent un produit à une clientèle qui est proche de chez elles. Donc, si votre entreprise est un site e-commerce et que vous vendez partout en Suisse, que vous n'avez pas identifié que votre public particulièrement était un public qui était géolocalisé dans votre région, le SEO local, ce n'est pas pour vous. Par contre, si vous avez identifié que votre clientèle se trouve dans une région vraiment définie autour de votre entreprise, c'est pour vous. Le SEO local s'adresse aussi bien à des entreprises qui font du B2B, ça veut dire business to business, une entreprise qui fournit un service à une autre entreprise, ou à des entreprises qui font du B2C, business to customers, c'est-à-dire une entreprise qui fournit un service ou un produit à des clients privés. Maintenant, j'aimerais plonger en détail pratique avec deux exemples. Prenons par exemple une entreprise qui vend du bois de chauffage. Qu'est-ce qui se passe ici? On voit dans les résultats de recherche qu'on a notre local pack. Ici, on voit une petite carte avec des entreprises, 1, 2, 3, qui vendent du bois de chauffage. Ici, je suis en navigation privée. Ça veut dire que Google connaît ma géolocalisation. Il l'a identifiée ici dans la région de Genève. Et il ne connaît pas mon historique de toutes les recherches que j'ai effectuées sur Google. Quand on veut faire des tests pour comprendre les résultats de recherche, prenez toujours une navigation privée. Donc ici, on voit notre local pack. Ici, avec des entreprises qui ont un profil Google My Business. Ensuite, on descend un petit peu. On voit des entreprises qui vendent du bois de chauffage et qui ont un site internet qui rentre dans ces résultats de recherche. On voit des questions posées. Ici, on voit que ces questions, elles sont dans la partie qui est peut-être un petit peu avant la phase de vente, c'est-à-dire des gens qui se demandent quel type de bois est-ce qu'il faut acheter. Et on descend, on voit encore d'autres résultats, de sites internet qui vendent du bois, puis encore des images, et encore les recherches associées. Les recherches associées sont d'autres types de recherches que les gens font. On voit ici que les recherches associées sont par rapport à la livraison à domicile, par rapport à la vente en gros, et à nouveau par rapport à la région. Toutes ces informations, vous pouvez les avoir et les identifier par rapport à votre entreprise juste en regardant les résultats de recherche. En tant que consultante SEO, j'aime bien vérifier avec une deuxième phase qu'effectivement cette hypothèse est correcte et que faire du local SEO pour une entreprise va avoir un grand bénéfice. C'est pourquoi j'utilise un logiciel qui s'appelle Ahrefs, ici vous le voyez ouvert, qui va me dire comment les gens cherchent en Suisse, en français, pour le bois de chauffage. Donc, ce que je vois, c'est que pour ce mot unique, on a 600 recherches mensuelles en Suisse, chaque mois. On voit effectivement que l'hypothèse de la géolocalisation qui est très importante est correcte
parce qu'on voit Keyword Ideas ici, on voit que les recherches suivantes liées sont elles aussi géolocalisées. On voit ici Genève, Valais, Vaud. Si je descends encore un petit peu, on voit ici les sites internet qui rankent le mieux, donc qui sont visibles le plus haut dans les résultats de recherche pour Google. Si on retourne à notre page de test des résultats de recherche, on voit ici que les résultats de recherche qui font partie de ce local pack, donc qui ont un résultat grâce au profil Google My Business, rankent, sont visibles avant les résultats de recherche. Ici, on voit les mêmes sites internet qui étaient cités dans Ahrefs. Donc ces entreprises ici, elles rankent avant ces sites internet. Donc on voit que une entreprise qui est peut-être beaucoup plus jeune ou avec un site internet beaucoup plus petit, avec moins de texte ou moins fourni, avec moins de backlink que ces sites internet, a toutes ses chances d'être visible en premier dans les résultats de recherche. Ici, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a relativement peu de concurrence pour ce terme de recherche. Ce qui est assez intéressant parce qu'on peut se dire que 600 recherches par mois, ça peut être significatif. Au niveau de la Suisse, 600 recherches, c'est déjà un niveau qui est assez élevé. Bien entendu, il faut réfléchir 600 recherches par mois par rapport à la population locale qui parle français. Et ici, on voit qu'on a des résultats de recherche qui sont déjà sur une zone géographique assez large, voire même en France. Donc ça veut dire qu'il y a tellement peu de gens, d'entreprises qui ont ce profil Google My Business, que Google élargit les recherches au maximum, voire dépasse une zone géographique donnée qui est la zone de la région genevoise. Si j'affiche un peu plus, ici on voit d'autres résultats de recherche de personnes, on étend un peu notre recherche, et on voit d'autres résultats de recherche et on voit qu'il y en a une grande partie qui se trouve en France. Donc on voit que sur Google, la concurrence, c'est des entreprises françaises. Étant donné que Google favorise les résultats de recherche géolocalisés, ça signifie que si une entreprise suisse venait à faire un profil Google My Business, ce profil automatiquement par rapport à la géolocalisation de la personne qui cherche, donc par rapport à une recherche qui serait localisée en Suisse, un profil Google My Business lui aussi géolocalisé en Suisse passerait en premier. Donc ça, c'est un exemple bois de chauffage pour une entreprise qui vend un produit d'une manière géolocalisée. C'est pas une entreprise qui a un service e-commerce, c'est une entreprise qui vend dans une région géographique qui n'est pas intéressée forcément à vendre son bois de chauffage à quelqu'un qui est à Thun ou à Saint-Gall, par exemple. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez que bois de chauffage, c'est un mot qui est particulièrement important parce qu'il est transactionnel. C'est-à-dire quand les gens cherchent du bois de chauffage, ils cherchent effectivement à acheter du bois de chauffage. Si les gens se questionnaient à propos du bois de chauffage, ici on voit d'autres recherches qui sont des recherches de type informationnel. Autrement dit, en marketing, on parle toujours de tunnel de vente. Le tunnel de vente, ça signifie les différentes phases par lesquelles une cliente passe avant de faire un acte d'achat. Dans le cas du bois de chauffage, l'acte d'achat, c'est évidemment acheter du bois de chauffage ou au moins le commander pour le faire livrer depuis une entreprise locale. Les phases qui précéderaient cet acte d'achat, ce serait s'interroger sur la qualité du bois de chauffage. Et ici, si je retourne à notre exemple, on voit que la qualité du bois de chauffage, on voit quelques questions. Quel est le meilleur bois de feu pour la cheminée? Quel bois dégage le plus de chaleur? Donc ça signifie qu'une entreprise qui voudrait être visible d'une clientèle qui n'est pas encore tout à fait prête à l'acte d'achat pourrait écrire du contenu, du texte, sur son site internet pour répondre à ces questions. Si l'entreprise, elle a un minimum de ressources, elle souhaite être visible seulement à l'acte d'achat, elle peut tout à fait simplement faire ici un profil Google My Business. Autrement dit, pourquoi est-ce que c'est tellement important d'être visible sur des mots
où les gens sont proches de l'acte d'achat. Bien évidemment parce qu'ils sont prêts à acheter, ils sont plus en train de se questionner, ils sont en train de se dire « Ok, je sais que je veux du bois de chauffage, je sais de quoi j'ai besoin, maintenant où est-ce que je vais pouvoir avoir ce produit ou ce service ?» J'aimerais parler maintenant d'un exemple B2B, c'est-à-dire d'un business qui s'adresse à un autre business. Prenons par exemple un test d'une entreprise qui vend des services comptables. Ici, on voit, quand on cherche comptabilité, on voit qu'on a une première petite partie définition. Ici aussi sur la droite, on a des définitions et des explications qui sont directement suivies par ce local pack. Ici, on voit de nouveau des fiduciaires. Donc de nouveau, ici, il s'agit d'un service qui est plutôt local. Une fiduciaire va travailler plutôt avec des gens qui sont dans sa région parce qu'elles connaissent les règles et les lois auxquelles une entreprise doit faire face. Donc on va plutôt chercher généralement une fiduciaire qui est dans son même canton. Donc ici, on a tout de suite, hop, un local pack et des entreprises qui fournissent ce service. Ici, on voit déjà que la compétition est un peu plus élevée qu'en ce qui concerne le bois de chauffage parce qu'on voit qu'il y a des entreprises qui ont, par exemple, de nombreux commentaires. On voit également qu'il y a quelques questions que les gens posent. Ici, de nouveau, même situation que pour la question du bois de chauffage, on voit qu'une entreprise qui voudrait être visible pour des gens qui ne sont pas tout à fait prêts à l'achat mais qui se questionnent encore, pourrait répondre sur son site internet à ces questions. Toutefois, une entreprise qui serait visible seulement dans le local pack à la fin du tunnel de vente pour la transaction peut tout simplement être visible sur le mot-clé comptabilité. On descend encore un petit peu et on voit qu'il y a des entreprises et quelques emplois. Ici, on voit que les résultats de recherche sont un petit peu mixtes. Pourquoi est-ce que je dis que les résultats de recherche sont un petit peu mixtes? Parce qu'il y a ici un service local, donc des gens qui proposent ce service. Donc Google a vraiment identifié que ce mot-clé vise des gens qui recherchent, des gens qui vont pouvoir faire, des entreprises qui vont pouvoir effectuer cette tâche. On voit aussi qu'il y a des gens qui cherchent à apprendre la comptabilité ou à travailler dans le domaine de la comptabilité. Donc que votre entreprise fournisse un service qui est plutôt destiné à une clientèle directe, j'ai envie de dire des personnes privées, ou que votre entreprise s'adresse à une clientèle plutôt business, le local SEO est pour vous dans les deux cas. Ce qui est très important que vous identifiez, c'est quelle est votre clientèle. C'est-à-dire, est-ce que quand vous livrez votre service, vous avez besoin de voir votre clientèle? Est-ce que vous livrez un service à une clientèle qui est proche de vous dans une zone géographique? Ensuite, la deuxième chose qui est importante pour avoir un profil Google My Business qui va vous permettre d'être très visible dans les recherches locales, vous avez besoin d'une adresse physique. Ça signifie que vous avez besoin d'une adresse, au moins d'un pied-à-terre. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un magasin, mais vous avez des bureaux, vous avez une adresse physique. En résumé, vous pouvez ouvrir un profil Google My Business. C'est un profil complètement gratuit qui vous permettra d'apparaître tout en haut dans les résultats de recherche selon la concurrence et surtout qui vous donne une chance d'apparaître avant des sites internet. Et vous pouvez aussi optimiser votre page contact en expliquant plus dans quelle zone géographique vous exercez et quel type de service ou de prestation est-ce que vous offrez.